Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Tay nak dañuy ñëw def ben taxaw sétlu ben jangat parce que dans les commentaires puis à l'extérieur bi ndax day compter wala du compter surtout pour le match Paris Saint-Germain Dortmund donc Ousmane Loum donc l'homme de Kaffrine m'a interpellé par rapport à cela motax il faut que je fasse une vidéo motax mané xam rek vidéo pour indi ben taxaw sétlu ben léral par rapport à cette règle parce que ñu bëri ñuy nan règle bi dañ ko abolir règle bi jeexna mais changer guñ ko c'est en cours de changement. Une fois, il change de règle, c'est ça. Il change de règle, après en 2021, ça sera effectif. C'est comme projet de loi. Il y a une assemblée, voter, il est effectif. Non, non. Il y a la promulgation de la loi, ensuite l'effectivité de la loi, avant l'application. Donc, il faut une étape. Donc, règle de but à l'extérieur, rien n'y a. Rien n'y a parce que ça change. Une fois, donc, le 11, le 11 février, pour discuter de la situation. Parce que la règle, en 1965, introduire la règle dite du but à l'extérieur. Pourrait vivre ces dernières heures. Parce que UEFA, par le biais des entraîneurs, donc il y a un entraîneur grand club, donc nous sommes Simone, nous demande de faire le but à l'extérieur, de faire la guerre. Parce que il y a des avantages pour l'équipe de recevoir au retour. Parce que match à l'équipe de l'équipe 0-0 la def, voilà, je ne vais pas encaisser de but. Si je vais faire un double ben but qualifié, je vais faire un but. C'est pas égal, c'est pas impartial. Moi, gars, ils demandaient donc pour nous changer règle. Et règle, c'est un voie de changement parce que gars, nous hold taxi, nous devons aller réunion ou à FIFA ou à UEFA pour dire changer la règle. Surtout l'UEFA qui est l'organe qui gère la Ligue des Champions. Donc 87e minute de jeu. Pourquoi règle cruelle? 87e minute de jeu. Rappel, on va faire un petit rappel. 87e minute de jeu à Stamford Bridge. Dembaba surgit au deuxième poteau. Chelsea mène désormais 2-0 face au Paris Saint-Germain. Chelsea d'un coup tourne à l'aide 3-1 au Parc des Princes. Retour. Chelsea mène 1-0. Dembaba, Mourinho lance quoi. Dembaba, nous tacle le ballon. Et c'est le but de la qualification. Et c'est juste. Paris d'or, masse à l'aide 3-1. Chelsea joue que 2-0. Il y a une différence de but. Deux buts, là. Nous sommes non. Chelsea est qualifié parce que marqué le but à l'extérieur. Beaucoup trouvent que c'est une règle injuste parce que, quand même, avec deux buts d'écart, donc on ne doit pas pénaliser l'équipe qui a encaissé un but à domicile. Donc, moi, nous avons une règle qui a changé parce qu'en 2014, Paris est éliminé et les Blues de José Mourinho aux Anges. Mais est-ce que l'ordre est valable dans les prochaines années, 2021 ou 2022? Peut-être que ça ne sera pas le cas parce que la règle, c'est en voie de changement. Changez Gunko. Règle bi ba légui mu ngi dox et que dit la règle bi lan la wax selon l'article 20 du règlement édicté par l'UEFA si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts sur l'ensemble des deux matchs celle qui a marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur se qualifie pour le tour suivant c'est-à-dire ñaari équipe bu dougalé le même nombre de buts comme exemple mo joxé sang Paris do Chelsea 3-1 à l'aller retour à Stamford Bridge Mourinho ak Chelsea do len 2-0 ñaari équipe yépp sur l'ensemble des rencontres ku né 3 buts le dougal donc mais l'équipe Bidougal, le plus de buts à l'extérieur, moins qualifié. Parce que Paris a encaissé 20 buts à l'extérieur, donc à domicile. Donc Chelsea a un but à l'extérieur, moi Chelsea s'est qualifié. Donc l'or, moi, la règle du but à l'extérieur. Donc moi, je suis gagné, je suis gagné, changer. Parce que l'or, ça, c'est pas juste. C'est injuste. Si d'aventure, les deux équipes présentent un bilan similaire, le match est prolongé de deux périodes de 15 minutes. Donc ce fait qu'il y a qui défaut de 2-0, voilà 3-1 à l'aller, 3-1 au retour, nous avons un but. Voilà, 2-0 à l'aller, 2-0 au retour, 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. Donc, nous avons tout le but. Donc, nous avons une prolongation, 2 fois 15 minutes. Donc, prolongation, il fait qu'il y a un but, nous avons tiré au but. Donc, là, la règle, l'article 20 du règlement édicté par l'UEFA. Donc, le football, c'est mondialisé, ça va changer. Parce que la règle, c'est en voie de changement. Changer, mais ça va changer. Parce que Mourinho, mon bon Dieu, il faisait tout pour ne pas encaisser de but à domicile. Comme ça, pour le extérieur, il y a un double ben, il va se qualifier. Donc, l'équipe, nous avons demain. Même si Ligue des Champions d'Abi, l'équipe accueillir fin bien, d'ailleurs, dans l'infection de coups d'Orlen, mais règle de but à l'extérieur, vraiment, c'est un peu cruel. Si on revient 30 ans en arrière, les contre-attaques se faisaient à 1 ou 2 jours. Donc, vous n'avez que contre-attaque, 1 ou 2 jours, nous avons fait, mais les contre-attaques, 5 ou 3 jours, nous avons fait. Donc, règle football, il est avancé. Aujourd'hui, il peut y avoir 5 ou 6 jours d'un point de vue personnel que je jouais à domicile, je me disais, je ne prends pas de but. Donc là, qui est une règle, règle yi nga xamanteni dafa évoluer parce que buñu contre attaque deux jours rek ñu mënon def contre attaque mais légui 3 jours voire 4 voire 5 jours dañ mëna def ay contre attaque donc c'est pour dire que vraiment règle de évoluer motax règle des buts à l'extérieur ça peut évoluer mais ren ça va s'appliquer changer guñ ko pour l'instant mais une fois ñu ci réunion di ci waxtaan pour changer ko mais pour l'instant changer guñ ko et jusqu'à preuve du contraire Paris Saint-Germain mëna ci bénéficier ou Atlético aussi mëna ci bénéficier parce que bu démé Liverpool doko 2-1 Atlético moy qualifié Paris bu doré 1-0 moy qualifié. Tant que la règle change officiellement, la règle ça va continuer
à régir le football européen. Donc, heure buñ ko changer nak, nay wax changer nañ ko, mais pour l'instant changer guñ ko. Donc, règle du but à l'extérieur, ça existe toujours. Domo Gaye Ndiaye warul tire, warul ragal.